Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un test sur Fortnite. C'est vrai? Non. Et aujourd'hui, c'est le tech numéro 30, faut fêter ça. Super, merci, c'était génial. Vous savez, dans la vie, il y a des jeux vidéo qui ont une certaine aura, qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre, qui te donnent envie de crier. Oh, yes, sir. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont tout bonnement géniaux, qu'ils te touchent, qu'ils te transmettent une certaine émotion. C'est tellement beau. Ce genre de jeu un peu intouchable qui te fait dire que le jeu vidéo, ça peut parfois être bien plus qu'un divertissement. Je pense à des jeux comme Ico, Journée, Okami et Shadow of the Colossus. Tu sais, c'est ces jeux sur lesquels faut faire attention à ce que tu dis, au risque de te faire buter par les fanatiques. Ah non, je rigole pas, si tu fais une erreur sur le jeu d'un fan, tu te fais massacrer la gueule. T'entends la rage des joueurs au loin à des kilomètres. Vous me croyez pas? Bah regardez, on va tester. Les fruits de Crash Bandicoot, ce sont des pommes! Autant pour moi, ce sont des Free Wampa! Vous voyez? Shadow of the Colossus est un jeu que je n'ai pas eu la chance de faire à son époque. Sérieux? Mais putain, pourquoi? Pas envie. Ah d'accord, Jamie. Le jeu est sorti à l'origine sur PlayStation 2, en 2006 chez nous, mais dois-je vous rappeler qu'à chaque fois l'Europe se fait baiser? Et que c'est sorti un an plus tôt en Amérique et au Japon. Il y a eu un portage en 2011 sur PlayStation 3, et là on est sur le remake arrivé sur PlayStation 4 en février dernier. A la base, c'est le deuxième jeu de Fumito Ueda et son équipe, la team Ico. Et je ne vous dirai pas si c'est la suite ou si c'est lié d'une quelconque manière à Ico, car c'est un jeu qui se découvre et qui se vit. Croyez-moi, ça serait vraiment con de vous spoiler la fin si vous l'avez pas fait, même si le jeu est sorti il y a déjà un moment. Parce que croyez-moi que j'aurais été dégoûté de me spoiler la fin tellement elle est tellement belle. Elle est tellement émouvante. Concrètement, c'est un jeu d'action-aventure qui nous conte l'histoire de Wander, le héros qui nage le moins bien au monde. Je vois pas de quoi tu parles, je m'en sors très bien. Ah, je viens d'avaler un truc. Ah, désolé mon brave, je cherche mon fils. Un héros qui est arrivé sur ces terres interdites et désolé. Oh, je suis désolé. Pour ramener à la vie Mono, sa bien-aimée. Ah ouais, hein, je vous avoue, ça déprime un peu comme région. C'est pas ici que tu vas trouver des arcs-en-ciel tout mignons et tout roses avec des jolis petits personnages. Oh oui, Charles-Henri, allons trouver des churros pour me les mettre dans le cul. Oui, Donovan, serre-moi les couilles. Mais pourquoi venir ici? Tout simplement parce qu'on y trouve Dormin, une entité qui aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Sauf que non, c'est pas aussi simple. Dormin nous explique rapidement que pour ça, il faut détruire 16 idoles de pierre. Et pour ça, évidemment, il va falloir tuer les 16 colosses qui habitent ces terres. Voilà. Et Wander, lui, il va croire une voix chelou qui sort de nulle part et il va l'écouter. Il est un petit peu con, non? Complètement con! Aussi con que les gens qui utilisent le mème de John Cena dans une vidéo. Juste pour rendre la chose drôle quand ils savent plus quoi dire. Je déteste ce genre de connard. Vraiment. Mais au moins, Wander, tu vois que c'est pas un amour de merde qu'il entretient avec sa belle. Le mec risque quand même sa vie pour elle. C'est plus touchant que Dylan et Sarah sur Facebook. Tu sais, Dylan, ce mec qui met sa copine sur sa photo de couverture. Le canard qui rajoute aussi le bon petit texte. Ça fait 3 mois qu'on se connaît, Sarah. Ma vie n'aurait jamais été la même sans toi. Je t'aime, femme de ma vie. C'est plus un canard, c'est un cygne. Le schéma du jeu est donc simple. Aller chercher un colosse, le tuer, retourner voir Mono et ainsi de suite. Pour ça, on sera aidé de Agro, le cheval de Wander. Aka, le cheval imprévisible. Bip bip. Vous pouvez même tirer à l'arc en étant debout dessus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Agro, j'arrive à tenir en équilibre sur toi. À vous, t'es impressionné. Wander, c'est un jeu vidéo. Mais pourquoi tu me soutiens jamais? Et si on pourrait croire que le jeu est assez simple et vide, quand on sait que le challenge c'est que 16 colosses, bah en fait c'est pas le cas, parce qu'à eux seuls les colosses représentent des énigmes colossales. Ah bah c'était bien de la merde comme jeu de mots, hein. Je m'en bats les couilles. Yes. Des énigmes, puisque faut non seulement trouver un moyen de leur grimper dessus, et d'ailleurs parfois ça peut être un peu gênant. Là par exemple, vous voyez... Mais qu'est-ce que... J'ai attrapé les coucouilles. Oh, vous alors. Et là j'ai attrapé le cucu. Oh, vous alors. Mais aussi parce qu'il faut atteindre leur point faible, sachant que chaque combat est véritablement épique et différent. D'ailleurs, comme je vous disais, il y a bien 16 colosses, mais faut savoir qu'à la base, Ueda avait prévu d'en mettre 48, puis c'est descendu à 24, puis 16. Pour ce remake, je vous avoue que j'aurais bien aimé l'implantation d'un ou deux nouveaux colosses sur les 8 qui avaient déjà été développés à l'origine. Attends mais mec, qu'est-ce que t'en as à foutre qui rajoute des colosses ou pas? T'avais jamais fait le jeu, les 16 colosses ils sont inédits pour toi, c'est bien non? Faut savoir que pour les battre, on pourra céder des conseils de Dormin. Si vous êtes des vrais bonhommes comme moi, vous les activerez pas. À vrai dire, je vous avoue qu'il faut vraiment être un gros con pour avoir besoin de ces conseils. Ok, nique ta mère. Faut savoir que ce remake PS4, il est développé par Bluepoint Games. Et c'est d'ailleurs eux qui s'étaient occupés du portage de Shadow of the Colossus sur PS3. Sauf que là, non, il s'agit pas simplement d'un simple lissage HD et d'une stabilisation de framerate, mais bien de repartir de zéro. Et ça, on le voit clairement avec la beauté du jeu. Et oh putain, j'ai envie de savoir sur quoi on tombe quand on tape Seven sur Google.
Fais chier! Que ce soit dans la forêt, le désert, les lacs, les plaines ou le cul d'Alexis Texas, il y a des effets de lumière et de particules magnifiques. Et d'ailleurs, les développeurs, ils en sont bien conscients de la beauté de leur jeu. Les petits coquinous. Avec l'angle que prend la caméra parfois, surtout quand on est sur le cheval. Et oui, la caméra nous offre parfois les meilleurs angles de vue possibles, surtout que même avec la caméra manuelle, quand tu orientes quand même cette vue, bah malheureusement, ça revient à la vue de base. Et c'est d'ailleurs un peu chiant. Mais soulignons quand même qu'ils ont rajouté un mode photo. Oui, je sais pas, c'est un délire que les développeurs ont depuis quelques temps de mettre des modes photo dans les jeux, c'est... Oui. Au-delà de la jauge rouge qui représente votre barre de santé, vous avez aussi une jauge d'endurance qui se consomme si vous grimpez sur un colosse par exemple. Faut savoir qu'il y a des fruits qui peuvent vous augmenter ces deux jauges-là. Et oui madame, dans le monde du jeu vidéo, on peut augmenter notre endurance avec une pomme, un ananas, ou même avec une banane. Banane. J'ai oublié de préciser, mais vous aurez aussi une épée qui fait de la lumière. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça vous fait un peu penser au sabre laser qui fait de la lumière que vous avez acheté à Jouer Club pour votre petit-neveu, mais faut savoir qu'elle est très utile. Elle nous indique la route à suivre puisqu'elle émet une lumière en direction du prochain colosse à tuer. Elle nous lâchera pas de l'aventure et je vous avoue que j'ai fini par m'attacher à elle. Je lui ai même donné un prénom. Et vous savez très bien lequel. Hahaha, Nathaniel, je suis tellement content de te revoir. Regarde, encore un jeu où on a un mode photo inutile. On arrivera toujours à prendre notre selfie, décidément. J'adore ta volupté, Nathaniel. Oh bip, bip. Bref, en plus de nous montrer le chemin à suivre, Nathaniel peut aussi nous montrer le point faible des ennemis. Ça peut même vous servir pour vous éclairer dans l'obscurité. Et ça, c'est bien. Lumos Maxima. J'appelle ça jeter un sort. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai beau avoir découvert ce jeu il y a à peine un mois, c'est un jeu que j'ai énormément kiffé. Mais il y a quand même deux petits trucs qui m'ont bien fait chier. La caméra est vraiment pas optimale parfois, surtout sur les colosses, et j'ai vraiment eu du mal avec la maniabilité au début. Alors je veux bien qu'on me dise qu'il y a un côté, je trébuche, j'ai du mal à bouger sur les colosses et tout, du coup ça accentue mon côté insignifiant par rapport aux colosses. Ok, mais avec moi ça passe pas, surtout quand je vois que sur The Last Guardian c'est la même chose. C'est donc pas exclusif à Shadow of the Colossus, ça a pas forcément été pensé pour le jeu. Les musiques sont signées Kao Otani, et elles sont putain de magnifique. Moi j'ai une préférence pour celle-ci perso. Ça c'est la musique qui s'active quand tu sais que ça va chier, que tu peux atteindre le point faible du colosse. Ça c'est le genre de musique qui se joue quand il y a deux ex qui se revoient et qui se font le fameux concours de celui qui s'en sort le mieux dans sa vie. J'ai sauvé une grand-mère de la noyade, j'ai été dans l'espace, ma copine est doctorante, mon copain a monté sa propre boîte. Ouais, enfin sa boîte elle est en faillite de ce que j'ai vu. Et ta copine elle a redoublé trois fois. Fais chier, j'ai été pris à Poudlard. Ouais mais t'as été pris chez Poufsouffle. Quoi? C'est moi qui m'occupe des admissions. Fais chier. T'as vraiment des musiques magnifiques, qui je pense ont été inoubliables pour ceux qui ont fait le jeu à l'époque de sa sortie. Comme celle-ci que je trouve assez particulière et qui se joue quand tu tues un colosse. Et ça, laisse-moi dire que ça te fait culpabiliser. T'as le sentiment de plus être le chassé, mais le chasseur, à mesure que le jeu avance. Bah ouais, mon compte demande quand même de tuer des colosses qui ont rien demandé à la base. À la limite, ça se passe comme ça dans ma tête. Non, je ne peux pas le tuer. Il n'y a aucune raison que je le tue. Hey Wonder. Oui. Wonder Woman. Allez, à vous, c'était rigolo. Et ce qui est vraiment bien, c'est que même quand il n'y a pas de musique, l'ambiance est vraiment cool. Il y a une atmosphère particulière qui se dégage de ce jeu. Tu sens que le monde, même si en apparence il est vide, il est pourtant chargé en émotions. C'est tellement beau. Pour finir, malgré une caméra pas toujours optimale et un gameplay franchement pas ouf auquel va falloir un peu de temps pour s'habituer, le jeu est épique et magnifique, tant au niveau des émotions transmises que des graphismes. Bluepoint, ils ont vraiment assuré avec ce remake. Bref, si vous êtes comme moi et que vous l'aviez jamais fait auparavant, je vous le conseille. Et même si vous l'avez déjà fait il y a un moment déjà, bah je vous le conseille aussi, puisque ça vous permettra de redécouvrir un jeu culte qui est vraiment magnifiquement bien refait. La puissance de Shadow of the Colossus, c'est réussir à être aussi marquant avec si peu d'explications scénaristiques. Shadow of the Colossus, ça se comprend pas forcément, mais ça s'interprète. C'est un conte épique dans lequel on prend plaisir à s'immerger. Et moi, je pars.